Pour Wallis, c'est un événement gigantesque. Accueillir 2500 personnes sur une île, c'est un événement qui ne s'est jamais passé dans son histoire. En fait, ça s'est passé une fois, c'est quand les Américains ont débarqué ici dans le cadre de la guerre du Pacifique. Mais depuis, ça ne s'était jamais passé. C'est un événement qui a perturbé les habitudes du Wallisien, qui a tout le temps pour faire ce qu'il veut. Là, on a une structure à respecter, des règles à suivre. Et c'était vraiment monumental pour nous, Wallisiens. Pour être honnête, on avait tous un peu de scepticisme par rapport à ces mini-jeux avant qu'ils ne commencent, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes et les gens ne se sentaient pas très engagés dans cette célébration du sport. Si demain tu me dis demain tu retournes, tu le refais, je te dirais non. Mais me reprojeter il y a un an et demi et me dire est-ce que tu y vas pas, ouais j'y vais. Nous sommes le 16 décembre 2012. Au lendemain du cyclone Evan, l'île est défigurée, secouée par des rafales atteignant parfois les 280 km/h et après une nuit de blackout total, le réseau électrique de l'île est hors circuit. Des routes jonchées de troncs d'arbres, certaines sont impraticables. Certes, pas de victimes, mais plusieurs foyers sont dorénavant sans abri. Ce n'est pas le premier cyclone à avoir frappé Wallis et Futuna. Mais cette fois, la catastrophe qui a balayé le Pacifique Sud il y a quelques mois a failli stopper net les préparatifs d'un événement que le petit archipel attend depuis des années. Wallis et Futuna a été choisi pour accueillir les 9e mini-jeux du Pacifique. Une compétition sportive qui n'a lieu que tous les 4 ans et qui va durer 10 jours. Dans une semaine, 1500 personnes venues de toutes les îles alentours vont déferler sur Wallis. À 22 000 km de Paris, le compte à rebours est lancé. Nato est l'entraîneur de l'équipe de Vaha, ces pirogues d'origine polynésienne qui vont faire partie de la compétition. En l'espace d'une nuit, il a vu la quasi-totalité de son matériel détruit par le cyclone. On aurait dit qu'on avait lâché une bombe. Hein. Il n'y avait plus rien, à part les cocotiers, les feuilles, mais sinon tout ce que vous voyez là, tout était rasé. Il nous restait des biens, on fait action là. Hein. Soit on arrête tout, soit il faut continuer à s'entraîner. Futuna étant difficile d'accès, la presque totalité de la compétition va se dérouler à Wallis. 14 000 habitants, une île principale d'à peine 15 km de long, nous sommes sur le territoire français le plus éloigné de la métropole. Stade, réseau de bus, signalisation, restauration, tout est à faire pour cette île qui n'a pas vu autant de visiteurs depuis 70 ans. Paris était très inquiet. Moi, j'ai eu plusieurs réunions avec le ministère des Sports, avec le ministère des Outre-mer, etc. Tout le monde était très inquiet, même à l'Élysée, parce qu'on s'est dit, mais est-ce que vous allez y arriver ? Le pari était un peu fou. On n'a pas de téléphonie mobile ici, on n'a pas de... Enfin, on a un réseau Internet qui est balbutiant, donc qui est à l'origine. Les communications téléphoniques sont parfois compliquées. Avec la métropole, avec le décalage horaire, c'est difficile. Les communications par bateau n'existent pas ou très peu. Donc en fait, on avait quand même à peu près tous les éléments contre nous, quoi.
Pour cette compétition atypique, l'État français a mis près de 8 millions d'euros sur la table, 25% du budget total des mini-jeux. Devant l'ampleur des travaux, le comité organisateur a même renforcé l'équipe wallisienne et fait venir des jeunes de métropole pour prêter main forte. Ils vont encadrer au total presque 600 bénévoles. Donc vous verrez ces chambres en priorité. Après, vous verrez le bâtiment d'en bas, le rez-de-chaussée d'ici. Ça, ça peut attendre. Premier dossier, l'hébergement. L'île ne possède aucune infrastructure touristique et à peine 3 hôtels. Alors, pas le choix. Yannick, en charge de la logistique, n'a plus que quelques jours pour transformer les 3 établissements scolaires en dortoirs géants. On a enlevé tous les bureaux et toutes les chaises des salles de classe et on met des lits superposés. Donc il faut mettre lits superposés, les monter, il faut mettre des planches en sommier et il faut mettre les matelas. Et ça, il y a plus de 600 lits ici. On est là depuis 1 an et demi, on a tellement d'aléas que... On prévoit en gros, et après, le jour J, bah, il faut faire avec. Si on n'a personne, bah, il faut faire avec personne. J'ai fait tomber la montre, plus de montre, pas de portable, donc c'est rendez-vous demain à 10h. Bah, tu vas à 10h, si à 10h15, il n'y a plus personne, tu t'en vas, personne t'en veut. Enfin, c'est un nouveau système, on fait avec, quoi. À Nouméa, à 2500 km de là, cela fait des mois que l'association Tokoni Fenoa a lancé des recherches de financement et un recrutement des métiers introuvables sur place. La communauté wallisienne est 2 fois plus importante ici qu'à Wallis. C'est donc logiquement en Nouvelle-Calédonie que l'on trouve le plus grand nombre de bénévoles prêts à partir pour les mini-jeux. Vous avez des infirmiers, des médecins, un cardiologue, des kinés, des chauffeurs de bus, des interprètes et aussi des gens de la restauration, puisque bon, il y aura quand même pas mal de restauration à faire sur place. Voilà. Alors moi, personnellement, je vais vous parler des informations pratiques. Wallis est un petit territoire qui fait 96 km². En ce qui concerne les circuits, vous ne risquez pas de vous perdre. Wallis a une seule banque. Ça veut dire une seule banque, un seul distributeur. Alors, à Khartoum, il est préférable de prévoir quand même du liquide pour partir avec. C'est beaucoup plus rentable. Dans la baie de Naï, l'équipe de Nato a enfin reçu les pirogues d'entraînement prêtées par la Nouvelle-Calédonie. La préparation des rameurs de Wallis peut reprendre dans de meilleures conditions. Le Vaha est le sport dans lequel les Wallisiens ont obtenu le plus de titres. Mais à quelques jours à peine des mini-jeux, l'objectif des médailles semble difficile à atteindre. Voilà, on a fait pas grave. Pour beaucoup de jeunes Wallisiens, les mini-jeux sont une occasion à ne pas manquer. Jean-Louis est rameur dans l'équipe de Nato depuis le début de l'année. Et pour participer à la compétition, il est prêt à tous les sacrifices. J'ai réussi à perdre 30 kilos en 2 mois. Là, c'était au mois de mai, je crois. Avril, mai, comme ça. Et j'arrive plus à regarder ces photos-là et j'aime. Et j'espère pas avoir ce carrière-là. Là, tous les matins, je bois mon café avec un bout de pain. L'après-midi, je mange juste une pomme. Et le soir, je fais l'endurance avec mes copains. Même que je sens au fond de moi que je crève de faim, mais je force. C'est peut-être pour ça que j'ai vite perdu mes kilos. Mais je sais aussi que j'ai pris énormément de risques. Lélé est arrivé avant les autres bénévoles.
c'est un chorégraphe wallisien né à Nouméa. Il vient sur son île natale pour la première fois. Lélé va gérer une partie de l'animation et surtout la cérémonie de clôture. Ils sont déjà plusieurs comme lui à avoir investi le collège de Mala Etoli dans le sud de l'île. On le surnomme maintenant le village des volontaires. C'est un honneur quoi, de m'avoir choisi pour montrer dans le Pacifique qu'on est capable, nous, Wallisiens et Futuniens, d'accueillir toutes ces délégations avec amour et bonne humeur. Depuis le début, Wallis mise tout sur l'accueil. Alors chaque matin, toutes les femmes de l'île sont mises à contribution. Manquer de colliers de fleurs pour l'arrivée des visiteurs serait vécu comme une véritable catastrophe. Aujourd'hui, la première équipe sportive débarque dans le petit port de Wallis. Activez les filles, s'il vous plaît. Oh, cette délégation, elle est particulière, ok? Pourquoi? Parce que c'est Tanga. Tanga, ce sont nos cousins. Bien, oui, chef. Donnez l'énergie que vous avez, là. Aïe! Désormais, les arrivées vont s'enchaîner au rythme de plusieurs par jour. Un véritable casse-tête pour les organisateurs et le début d'un marathon pour Lélé et ses hôtesses. 900 sportifs, leurs accompagnateurs, les entraîneurs, un flot continu de visiteurs venus de toutes les îles alentours. Tous vont s'éparpiller aux quatre coins de Wallis. Trois établissements scolaires se partagent les équipes d'athlètes. Plusieurs d'entre elles, comme Tahiti et la Nouvelle-Calédonie, sont même logées dans un internat géré par l'évêque de Wallis. Rien de surprenant pour une île où la religion occupe une place encore largement dominante. Je crois que les Wallisiens Futuniens se sentent maintenant davantage partie prenante de ces Jeux qu'ils ne l'étaient au départ, en sachant que ce sont des chrétiens qui viennent de tout le Pacifique, et nous sommes tous frères, et ce sont des frères que nous accueillons ici, même si d'ailleurs il y a des musulmans au milieu, mais ça fait rien, c'est pas grave, ce sont des frères que nous accueillons ici, et qui sont à recevoir comme s'ils étaient de d'ici, quoi. Chewing gum. Enlève ton chewing gum, s'il te plaît. Chewing gum. Aujourd'hui, l'événement, c'est l'arrivée de la centaine de volontaires qui débarquent de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont eux-mêmes payé leur billet d'avion. Sans eux, tout le monde le sait, les Jeux sont tout simplement impossibles. Béni par les dieux, puisque bon, la preuve en est, c'est que je suis déjà tout mouillé, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être au Vénois.
On va. Ici, sur le territoire de Wallis et Futuna, vous avez le pouvoir républicain, le pouvoir de l'Église, mais vous avez également le pouvoir coutumier. Donc, pour tout à chacun, en ce qui concerne un Wallisien ou un Futunien lorsqu'il débarque ici sur le territoire, surtout dans l'organisation de ce genre de manifestation, il est primordial de passer par la chefferie, ne serait-ce que pour saluer Sa Majesté. Ce passage-là, c'est le César. Comme chaque journée importante sur Wallis, tout commence par une messe. Nous sommes à 24 heures du début des Jeux. La compétition va d'une certaine façon être placée sous la protection de deux autorités incontournables de l'île, Dieu et le roi. Wallis et Futuna est divisé en trois royaumes. À leur tête, des rois élus par les chefs coutumiers et rémunérés par le gouvernement français. Les derniers rois de France sont finalement ici, au cœur du Pacifique. Reconnaissant que nous sommes pécheurs devant Dieu et nous en lui demandons pardon. À l'extérieur de la cathédrale, devant le palais royal, la population arrive des quatre coins de l'île. Plus de 50 cochons sont amenés en offrande par les villageois. À la fin de la messe, un événement rare va avoir lieu. Les 20 délégations sportives vont avoir le privilège d'assister à un cava royal, une cérémonie coutumière qui n'a pas eu lieu depuis des années. Le cava royal représente beaucoup de choses. D'abord, il représente justement la cohésion de la cohésion sociale de la société wallisienne, puisque c'était à Wallis, et la cohésion sociale autour du roi, qui est le pôle fédérateur de l'île. Le monarque du royaume d'Ouvéa, le Lavelua, est actuellement le seul roi de Wallis et Futuna. Il a voulu donner un signe fort pour le début de la compétition. Et à Wallis, rien n'est plus symbolique que de partager le cava avec le roi. Cette boisson à base de racines de poivrier, utilisée dans l'ensemble du Pacifique, est strictement interdite en France pour ses effets anesthésiants. Impossible pourtant de la refuser, même lorsqu'on est préfet de Wallis. Après cette cérémonie royale, les Jeux peuvent enfin commencer. Il est exactement 7h, tout de suite votre journal présenté par Sophia Ratao. Bonjour Sophia. Et Fromaloto and Maria Maluyeto Mauri. Allo Fabon Fra Papa, tu as un gâteau, même tu n'as pas de maïde pong pong, il m'a lié trop tôt, maouli, mon teuf malolo, il te commande un gâteau, va half au wenny. Ou l'on est au fratake, il te pong pong, il te commande à qui est au fanga, il fera pas fika.
C'est le grand jour. Dans quelques heures, va avoir lieu l'ouverture officielle des mini-jeux sur le stade Kafika flambant neuf. Chacun se prépare à sa façon, peaufine les derniers détails ou essaye simplement d'être prêt à temps. Oui, allô? Oui. J'ai demandé à un électricien de venir, il a bidouillé hier et il va repasser aujourd'hui pour mettre un coup de soudure. Mais a priori, c'est bon. Ok, ça c'est bon, quelle heure il est? 9h, putain, on n'a pas reçu les temps. On va voir ça. Yannick connaît par cœur la piste du stade. Alors que la cérémonie approche à grands pas, il en est encore à planter les mâts pour les drapeaux des délégations. En gros, il faut mettre le très grand juste là, après un petit juste à côté. Bon, pas trop près, mais pas non plus à l'autre bout du monde. Et après, tous les autres, le long là. Eddy, tu m'entends? Sur le plan qu'il m'a fait hier soir pour les drapeaux, il y a seulement 20 pays. Ben c'est normal, il y a 20 pays qui participent au jeu, Yannick. Ouais, j'ai perdu 3 ou 4 kilos, je crois, là. C'est bon. Enfin, je me suis pesé tout habillé avec les chaussures, sur la balance de l'haltéro, là. Putain, j'avais perdu déjà 2 kilos. Ça, c'est bien. Un peu partout sur le stade, c'est un véritable sprint pour être prêt à temps. Même la flamme n'est pas encore terminée. Il reste 15 minutes avant le début des jeux. Ouais, c'est bon. Sur la pelouse, la liste des participants est surréaliste. Les îles Marshall, Samoa, Cook, Tuvalu ou Guam, mais aussi Papouasie, Vanuatu ou Micronésie. Tout le Pacifique Sud s'est donné rendez-vous sur le stade. Ça fait un an et demi qu'on bosse là-dessus et ça commence donc. Un petit peu d'émotion quand même. Un petit peu. Moment solennel, l'arrivée du drapeau officiel des Jeux a mené en grande pompe vers les mâts qui viennent à peine d'être installés. Une opération qui n'a pas été répétée à l'avance par manque de temps. Donc il va tirer. J'ai acheté ça ce matin. La corde, si ça pète, je suis un peu. Le drapeau est finalement beaucoup trop grand et n'a pas du tout l'allure espérée. C'est énorme. Je ne vais pas rester là jusqu'à demain. À Wallis, la priorité est d'abord de ne pas gâcher la fête. Attention, ils connaissent l'océan. Mesdames et messieurs, on applaudit l'Australie. Lélé a trouvé sa place pour cette journée. C'est le maître de cérémonie. À partir de maintenant, commence 10 jours d'épreuves sportives. 10 jours de spectacle pour une île qui n'a jamais vu ça. C'est la compétition de Vaha qui ouvre les épreuves sportives. Elle a lieu dans la baie de Nahi, à l'autre bout de l'île.
Avec le beach volley sur Futuna, c'est le seul site des mini-jeux qui ne soit pas sur le stade. L'enjeu est énorme pour Nato et ses rameurs, qui vont affronter des équipes parfaitement entraînées. Ils vont devoir oublier le cyclone, oublier le manque de préparation. Ils vont surtout faire face aux Tahitiens, les meilleurs dans leur domaine. Il est 7h30, début de la première course de façon précise à 9h30. Voilà. Elle est toute jeune, hein? Ils n'ont jamais ramé. Elle rame seulement depuis... Depuis le début de l'année. Et lui, un mois. Ils sont impressionnés parce qu'il n'y a jamais de compétiteurs autre que eux. Ils sont tous les jours, toute l'année entre elles. Et on m'a gagné. Mais Tahiti nous met à savoir, ils ont des compétitions, ils sont beaucoup. Mais nous, avec le nombre qu'on est sur l'île, on a à peine 6 clubs. Parce qu'en fin d'année, ils partent. Ils partent à l'école, en métropole, à Tahiti ou à Nouméa. Et nous, tous les ans, il faut former. Mais je leur fais confiance. Aujourd'hui, on met le paquet, que le meilleur gagne. À partir de maintenant, tout repose sur l'équipe masculine de Nato et la motivation qu'il a su leur transmettre depuis des mois. Avec comme toujours Tahiti en ligne de mire. J'ai dit quoi? Virage, on accélère. Après, accélère. Écoute, virage, tour les lignes. Accélérer 100 mètres, tour. Maintenez-moi. Hey, on laisse vous donner. Chucky. Avec le nombre réduit de participants, les compétitions sont très courtes. Les places sur le podium vont souvent se gagner sur une seule épreuve. Pour Jean-Louis et son équipe, tout va donc se jouer en quelques minutes. Des mois d'entraînement et 1500 mètres pour tenter de ramener une médaille à Wallis. On va voir au virage qui c'est qui est premier. Voilà. Mais ça va, on tourne en deuxième. Il faut faire deuxième. Allez, Wallis! Allez, Wallis! Finalement, Wallis et Futuna est médaille d'argent. Ils n'ont pas triomphé de leur vieil adversaire, les Tahitiens, mais cette deuxième place est presque une victoire pour cette équipe qui partait de très loin. Pour Nato, l'honneur est sauf. Bien. Le sport, c'est tout dans la joie. Il y a un premier et un dernier. On prend les places comme ils arrivent. Ben, les mini-jeux, ça apporte beaucoup de choses. Ça remonte un peu le niveau de la rame. Vous avez bien vu, l'île, elle est toute petite. Hein. Tout le monde se connaît. Et puis, à force de tourner en rang, les bêtises arrivent. Hein.
Le sport, c'est une porte pour eux, pour leur avenir. C'est parti. Pour l'instant, trois équipes qui sont en tête. Un Fidjien qui passe comme un TGV. Les mini-jeux vont mobiliser toute l'île. Et quand les Wallisiens ne sont pas sur les sites de compétition, ils sont devant leur télévision. Dans ce métier. Retour aux réalités des mini-jeux. Yannick continue à courir après le temps. Et les choix qu'il doit faire sont quelquefois inattendus. C'est un vrai petit trésor, hein ? Ah ouais, ça c'est... Là, il y a, je crois, 200 médailles d'or et 300 médailles de bronze et d'argent. Après, les médailles commémoratives, c'est des petites médailles qu'on donne à chaque participant. Et après, il y a les petites médailles VIP aussi. À la base, on devait le mettre au coffre-fort, à la banque, ou... Mais comme il faut toujours aller accéder, les mecs, là-bas, c'est usine à gaz, quoi. Faut y aller, faut leur dire les horaires où on vient, faut dire le nombre de trucs qu'on prend. Le week-end, les mecs, ils dorment, donc... Donc on a dit, on n'a rien dit à personne. Tout moment, si on nous en a pris, tout le monde est médaillé. Les packs accueil pour Futuna, c'est prêt ou pas? Côté organisation, il faut maintenant piloter au mieux cette fragile machine des mini-jeux. Et d'abord, nourrir tout le monde. Dans l'équipe de bénévoles venus de Nouvelle-Calédonie, certains travaillent habituellement dans l'un des palaces de Nouméa. Un grand écart qui n'est pas pour leur déplaire. Le Mérindia, c'est 5 étoiles. Et tu arrives, tu as du professionnalisme. Et tu arrives, tu donnes un peu cet atout-là aux gens d'ici, qui croient qu'il n'y a que eux. Mais nous, on arrive avec ce savoir, et puis on le partage avec eux. Pour l'occasion, même le maître d'hôtel du palace calédonien a troqué son costume pour une tenue beaucoup plus décontractée. Normalement, c'est à moi de dire, de faire. Je dis aux autres de faire, et là, c'est moi qui fais. Pour faire retour aux sources. Ouais, mais... Essuyer des tables et remplir des carapaux. Moi, ouais, c'est trop cool. Pas obligé de se raser, on travaille en tongs. C'est la tête vide. Bon, alors tout ça y est, parti. En plus des 3000 repas par jour, il faut gérer les trajets en bus vers les 20 villages qui accueillent les différentes délégations. Ça, c'est le travail de Nicole, avec quelques imprévus. Yo, piano, papa, Mike. À vos ordres, capitaine Nicole. Parce que les gens, les athlètes, au lieu d'attendre le prochain bus, ils appellent. Donc ça fait qu'on envoie les minibus ou les chauffeurs que pour une personne ou deux personnes. Pendant ces mini-jeux, un seul axe sur l'île. La route qui va du stade aux différents villages des sportifs. Les chauffeurs connaissent la route par cœur. Le vrai changement, ce sont les radios installées pour l'occasion. C'est dommage, parce que là, ils vont... Après, les jeux, on reprend la radio. Allons-y,
ça arrive petit à petit. Ah non, c'est encore un, ok. Je les aide à infiltrer un peu les danseurs, ceux qui dansent ou ceux qui dansent pas. Ça ne fasse pas rentrer n'importe qui. Il y en a ici. Droite, ici. Au village des bénévoles, Lélé attend les danseurs venus de tous les districts de Wallis pour une grande répétition de la cérémonie de clôture dont il a conçu les chorégraphies. Une grosse responsabilité pour le jeune Wallisien qui a peu de temps pour se préparer. Bonsoir les jeunes. Alors, écoutez, je tenais à vous remercier d'avoir répondu à l'appel pour la répète de ce soir. Certes, comme vous le remarquez, il n'y a pas tout le monde. On va faire avec. Mais je le fais, je danse pas. Vous le faites en entendant, hein. Vous devez le savoir par cœur, hein. Si vous n'êtes pas capable, je vais le faire. Tenez-vous en place. 3, 4, hey. 1, 2, 1, 2, 3, 4, top. Alors, vos petites manies de gratter les cheveux, je veux rien voir. Ne me cachez pas la clôture. Vous arrivez, tap, tac, je salue. Vous êtes en train de pénaliser tout le monde. Attention, 3, 4, hey. 1, 2, 1, top. Allez, vous êtes pressés. On est... Vous avez tous le regard de public. On sourit. Ici, tu restes ici. Tu peux la gnaquer. Ok. Visiblement, il y a encore du travail. Vous me faites peur, les garçons, là. Hein. Lélé va faire répéter ses troupes jusqu'à une heure avancée de la nuit. Après ces longues années d'attente, Wallis est à la fête. 900 sportifs s'affrontent dans 8 disciplines. Beaucoup d'athlètes amateurs, mais les performances s'enchaînent devant un public qui en redemande. Alors tant pis pour les blessures.
certains jeunes Wallisiens, la fin prochaine des mini-jeux est presque comme la fermeture d'un grand magasin de friandises. Saki, médaille d'argent du VAA il y a quelques jours avec Nato, n'hésite pas à essayer des sports qu'il a découverts la veille. J'ai jamais fait de lancer de disque. J'ai juste joué avec les assiettes à lancer. Et voilà. Saki est insatiable. Il enchaîne aussi avec le 400 mètres relais. Pour profiter de tout jusqu'à la dernière minute. En une semaine, le stade Kafika est devenu le lieu de passage obligé, un nouveau village sorti de terre pour l'occasion. Voilà. Nato est passé à un autre genre de sport. Il a terminé son rôle de coach. Alors, comme de nombreux Wallisiens, il fait profiter l'organisation des richesses de son jardin avec la même motivation. J'aurais pu prendre des sacs, mais le sac, il n'est pas présentable pour mettre les papayes. Alors Nato, il fait les choses au carré, là. Il y en a... Ils donnent des maniocs, des taros, des ignames. Tout ça a déjà été fourni. Et là, ce matin, le responsable est venu me demander s'il me restait des papayes. On essaie de faire travailler un peu tout le monde, tu vois, pour qu'ils récoltent un peu de blé, là. Du coup, ça a un peu bouleversé le quotidien de l'île, quand même, les mini-jeux. Parce qu'ici, on n'est pas habitué à ça. Ici, c'est... Doucement le matin, le midi c'est encore pire. On bouge un peu l'après-midi. Mais sinon, c'est bon, les gens sont contents. Ouais, on aura la médaille de l'accueil. Aujourd'hui, chaque village a choisi d'accueillir une délégation pour une journée de fête et de rencontres. C'est plus important pour eux que les résultats sportifs. Au final, Wallis n'est que 9e au classement des médailles, mais l'île veut surtout que les visiteurs repartent avec l'impression d'avoir été des hôtes de marque.
Partout dans l'île, les banquets s'improvisent jusque sur les îlots qui bordent la côte. Le temps d'une dernière journée, les visiteurs vont laisser le sport derrière eux. Pour gagner du temps, Yannick et son équipe rangent déjà les podiums dans les containers qui vont repartir par bateau dans quelques jours. Je pense que je vais dormir 48 heures d'affilée dès lundi. Dans les bureaux de l'organisation, on se prépare pour ce qui va marquer la fin de presque 2 ans de travail. L'ambiance s'est très largement détendue. Dans 2 heures, tout sera terminé. J'ai plus de 2 minutes. Cette fois, pour éviter les désagréments, Yannick a retaillé le drapeau des mini-jeux. Quant à Lélé, aujourd'hui, c'est son grand jour. Arrêtez! Arrêtez! Fidji! 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 Samoa! Samoa! Samoa? Que? Hey, go, go, go! Allez, les cagoules, foutez le feu là, hein? Pas mal de gens pensaient qu'on n'allait pas y arriver ou que ça allait être la débâcle. Notre slogan, c'était pas de slogan, que des faits. Et je crois que c'est un slogan qu'on tient encore et voilà. Voilà le résultat. Maintenant, c'est pas parfait, hein, c'est sûr, mais on l'a fait. Ça y est, c'est fini. On rentre à la maison. On va jeter la radio. On a tout coupé, on a tout arrêté. On rentre à la maison. Moi, on m'a toujours dit que l'expérience de chacun fait le trésor de tous. Et chaque matin, quand je me lève, j'apprends mon départ. Je sais que j'apprends mon retour sur mon mien. Le temps de ces 9e mini-jeux, l'archipel a été le centre d'intérêt de tout le Pacifique Sud. Les yeux sont maintenant tournés vers le Vanuatu, où se déroulera la prochaine édition. Wallis va devoir se réhabituer à être de nouveau simplement une île au milieu de l'océan. Quand tout le monde va repartir, on reprend la vie comme c'était avant. Regardez comment c'est calme. La mer, le vent.
n'y a personne pour nous... pour klaxonner. Hein. Tous les jours, la vie, c'est comme ça, Wallis.